Salut tout le monde! Aujourd'hui, séance dynamique. Ça va être un super workout pour les épaules, pour les abdominaux et aussi pour les fessiers. Ça va être assez intense, assez dur pour celles qui commencent. Surtout, n'abandonnez pas, persévérez et ne vous frustrez pas s'il y a des enchaînements que vous n'arrivez pas, des postures qui sont plus difficiles. Continuez, faites à la limite pause pour souffler un petit coup, mais vraiment essayez d'aller jusqu'au bout. Et même si c'est pas parfait, tant pis, on s'en fiche. Vous verrez que si vous refaites cette séance une semaine après, les postures elles seront beaucoup mieux assimilées. Vous allez franchement arriver à tenir plus longtemps ou à aller un petit peu plus loin dans vos postures. Donc vous faites pas de soucis, essayez vraiment de faire confiance au processus de progression. Donc faites confiance à votre corps, faites confiance à votre cerveau. C'est pas grave si on n'arrive pas tout du premier coup, moi ça m'a demandé beaucoup de travail. Voilà, pensez à une seule chose, c'est à bien respirer. Donc bien inspirer par le nez, expirer par le nez, mais en envoyant l'air derrière la gorge, ok? Essayez vraiment de vous concentrer que sur ça. Pourquoi je vous demande de faire ça? Ben, déjà c'est la base du yoga, le fait d'inspirer et d'expirer et d'y penser tout le temps, ça vous empêche de penser à tout ce qu'il y a autour. Donc en fait c'est une forme de méditation parce que vous vous recentrez sur vous-même. Donc voilà, c'est la base du yoga, c'est vraiment d'essayer d'allier son corps et son esprit, et ça on le fait à travers la méditation, la respiration pardon. Et ensuite, pourquoi c'est important? Ben, tout simplement parce que si vous respirez bien, pour toutes les postures qui demandent de la force ou du mouvement, ben, vos muscles seront beaucoup mieux oxygénés, donc ça ira beaucoup mieux. Et pour les exercices qui demandent de la souplesse, de l'assouplissement, de l'étirement, vous verrez que sur les expirations, vous allez toujours réussir à aller un tout petit peu plus loin. Alors que si vous êtes toujours en apnée, contracté, franchement, ça va pas, vous allez pas, ça va pas être folichon quoi. Et pour finir, ben si vous faites tout en apnée, vous bloquez le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est le muscle qui sépare la partie de l'abdomen de la partie du thorax. Donc si vous bloquez ce muscle, vous pouvez vous bloquer le dos. Ça peut être hyper dangereux parce que le diaphragme est relié derrière aux vertèbres. Donc surtout faites attention de ne pas faire les exercices en apnée. Ok, bon ben c'est parti, on va commencer en tailleur. On va commencer par un pranayama qui va mettre tout en route. C'est le pranayama Kapalabhati, donc c'est un exercice de respiration. On va avoir le dos bien droit, on essaye de rentrer le menton. Et là on va sur les expirations serrer le périnée et coller le nombril à la colonne vertébrale en le rentrant, ok? Donc on va serrer le périnée, en sanskrit c'est Mula Bandha, et on va contracter le muscle transverse des abdominaux pour rentrer le nombril vers l'arrière et vers le haut, ok? Donc ça en sanskrit c'est Udaya Bandha. Et tout ça on le fait avec les mains sur les cuisses, donc on inspire. Et on expire donc toujours par la gorge et on rentre le ventre le plus possible en contractant le périnée. Ok, on va essayer de le faire 20 fois de suite pour commencer, chacun à son rythme. On essaie juste de tenir le rythme, 20 respirations. Allez, c'est parti, on inspire et on expire. On inspire et on expire. L'expiration doit être tonique. On inspire et on expire et on enchaîne. Et on relâche. Très bien, super exercice pour activer système digestif, système respiratoire, système cardiovasculaire, le système musculaire aussi. Donc vraiment top, si vous êtes constipé, vous pouvez le faire. Ne le faites pas si vous êtes cardiaque ou si vous avez des problèmes d'hypertension. Allez, on est reparti, on inspire. Et on expire, on serre Mula Bandha et Udaya Bandha. Allez, on tient.
Et on relâche. Parfait. Pensez à bien rentrer le menton quand vous faites l'exercice. Je ne l'ai pas trop bien fait parce que je regarde mon téléphone, mais rentrez bien le menton, ok? Sans monter trop les épaules. Ok, c'est parti. On va commencer un petit échauffement. On lève les bras et on expire. On croise les bras. On appuie sur le coude droit avec la main gauche pour descendre le plus loin possible. On inspire. On expire, on appuie un petit peu plus. Allez, encore une respiration. Et on relâche. On inspire, on change de bras, on plie le bras gauche. Et on expire, on appuie avec la main droite pour aller un petit peu plus loin. On va beaucoup, beaucoup bosser le dos et les bras, donc c'est important de bien étirer ces parties. Encore une fois. Et on relâche. Parfait. On passe à quatre pattes. On va avancer d'avant en arrière pour échauffer un petit peu les poignets. On inspire quand on avance, on expire quand on descend. Essayez de mettre le poids sur les poignets pour réchauffer un petit peu les articulations. Les mains sont bien à plat. Ok, parfait. On met cette fois le dos de la main avec les doigts qui pointent vers soi. Et on fait la même chose. On inspire et on expire. Et on relâche. Ok, on fait un petit peu des ronds avec les poignets. Très bien. On entrelace nos doigts derrière le dos. On va inspirer, pousser le bassin vers l'avant, ouvrir la poitrine, relâcher la tête. Expirer. On pose la tête au sol, on lève les bras le plus loin possible derrière. On inspire, on pousse le bassin. On relâche la tête et on expire. On lève les bras le plus loin possible au-dessus de la tête. Allez, encore deux fois. On inspire, on pousse les fesses en avant. Et on expire, on relâche. Dernière. Et on expire, on relâche. Parfait. On relâche les poignets. On va passer à quatre pattes. Donc les poignets sont bien en dessous des épaules. Les genoux sont bien en dessous des cuisses. On plante les doigts de pied. On inspire et on expire. Chien de tête en bas. C'est notre premier chien de tête en bas. Donc on n'hésite pas à se mettre sur la pointe des pieds, à bien plier les genoux pour avoir les genoux près du ventre. Et on respire tranquillement dans cette posture. Si on n'arrive pas à tendre les jambes, c'est pas grave. L'important, c'est la bonne position du dos. Alors, on essaye de tendre une jambe, puis l'autre. Toujours en respirant. Parfait. On est en chien tête en bas. On va pousser sur les pointes de pied pour transférer le poids vers l'avant. On arrive en planche, sans creuser le dos. On sort la tête, on sort les fesses et chien tête en bas. On inspire, on pousse sur les pointes de pied, on pousse les épaules en avant des poignets, planche. On sort la tête, on sort les fesses, chien tête en bas, on expire. Pousse sur les pointes de pied, on transfère le poids vers l'avant. On appuie bien fort sur les bras, le dos est bien droit, le bassin est en rétroversion, donc pas comme ça, mais vers l'avant. On sort les fesses, on pousse sur les mains et on regarde loin entre ses pieds.
On inspire, poids vers l'avant, planche. On expire, chien tête en bas. On inspire, planche. Et on expire, chien tête en bas. Parfait, on relâche tranquillement les genoux et on étire les bras. On repasse à quatre pattes. On va revenir sur notre chien tête en bas. On plante les doigts de pied. On pousse sur les mains. On essaye de sentir si on arrive déjà à tendre un petit peu plus les jambes. Et on va lever la jambe droite. Inspirez. Et là, on fait comme avant. On transfère le poids vers l'avant pour passer en planche. Mais on va ramener le genou droit au coude droit. Et on inspire, on remonte. Même chose, mais on croise au coude gauche. On inspire, on expire, on va toucher genou front. On inspire, coude droit et on alterne. Coude gauche, coude droit. Coude gauche, coude droit, coude gauche, coude droit et on inspire. On relâche tranquillement. Parfait ça. On va lever la jambe gauche. On inspire. On fait la même chose. On expire. Coude droit. On inspire. On croise coude gauche. On inspire. Front. On inspire. Et on expire. Coude droit. Et on alterne. Coude droit. Coude gauche. Coude droit. Coude gauche. Allez, on tient. Coude gauche. Et on inspire, et on expire, on relâche. Très bien. On relâche les genoux, et on relâche le dos. Essayez d'étirer les bras le plus loin possible vers l'avant. Vous pouvez aussi mettre vos pouces vers le plafond. Allez, on reprend sa respiration. Parfait. Ok, prochain exercice. On pousse sur les mains, on plante les pieds, chien tête en bas. On va lever la jambe droite, inspirer. Et expirer, plier le genou. On essaye de pointer le genou vers le plafond. Et on va doucement descendre la jambe droite de l'autre côté de la jambe gauche pour ouvrir tout le côté droit. Le bras droit et la jambe droite sont tendus et on expire, on relâche, on pose les fesses. Parfait. Donc là on a bras droit, genou gauche, la main droite est bien sur le sol. On va inspirer, lever les fesses, tendre la jambe droite et tendre le bras droit. Ok, on inspire. On essaye de regarder la main droite et on expire. On inspire et on expire. On inspire, on expire. Allez, encore une fois. On inspire et on expire. On inspire une dernière fois et on va remettre la main sur le sol pour passer un chien tête en bas. On ne pose pas le genou droit. Le genou droit, on le passe, on croise en dessous de la jambe gauche et on ouvre pour passer en planche latérale. Allez, on tient pour 5, 4, si on a besoin de poser le genou, on pose le genou, 3, 2, 1, on ramène ici la main, parfait, on ramène le pied. On pousse pour passer en planche. Et là, si on a besoin de poser les genoux, on pose les genoux pour Chaturanga. Sinon, on plie les bras pour avoir les coudes au niveau des épaules. On pose les pieds à plat. On inspire, on pousse sur les mains. On n'a pas les épaules collées aux oreilles. On pousse, on décolle le bassin. Et on expire. Chien tête en bas. Bravo! Allez, on s'accroche. On va faire la même chose de l'autre côté. On sent bien les épaules qui brûlent.
On inspire, jambe gauche en l'air. On va plier le genou. On regarde sous son aisselle gauche. On essaye d'orienter le genou vers le plafond. On respire. On relâche la jambe de l'autre côté du tapis. On inspire, on essaye de tendre jambe droite, jambe gauche et bras gauche. On essaye de regarder sa main gauche. Et on expire, on relâche. C'est bien! On a la main gauche au niveau du genou droit. On va pousser sur la jambe droite et pousser sur la main droite pour lever les fesses et ouvrir tout le côté gauche. Allez, c'est parti pour 5. On inspire, 1. On expire, on descend. On inspire, on monte, 2. 3. On descend. 4. On expire. On inspire, on monte. On reste en haut. On va ramener le bras droit de l'autre côté. On garde le genou levé et on croise la jambe gauche en dessous de la jambe droite. On inspire, planche côté. Allez, on tient. Si on a besoin de poser, on pose comme ça. Aucun problème. Allez, 4. 3. 2. 1. On pose. On se retourne de l'autre côté. On transfère le poids vers l'avant. Si on a besoin de poser les genoux pour notre chaturanga, il n'y a aucun problème. Il ne faut juste pas creuser le dos. Sinon, on descend dos droit. On pose les dos des pieds à plat. On inspire, on pousse sur les bras. On écarte les épaules des oreilles. Et on expire, chien tête en bas. Wouh! Et on relâche tranquillement. On va regarder doucement entre ses mains. Et là, on va monter sur la pointe des pieds en inspirant. Sans descendre les talons, on plie. On regarde toujours entre ses poignets. Et on va pousser, sauter pour amener les pieds en dehors de ses mains en malasana. Parfait. Bravo. On va le refaire une deuxième fois. Donc les pieds sont bien à l'extérieur des mains. On lève une fesse, on recule un pied, puis l'autre. Chien tête en bas. On regarde entre ses poignets, on se met sur la pointe des pieds, on inspire. On plie les genoux, on regarde toujours entre ses poignets. Et on saute à l'extérieur de ses mains. Parfait. Encore une fois. On pose les mains au sol, on lève les fesses, on recule une jambe, puis l'autre, chien tête en bas. On inspire, pointe de pied, on regarde entre ses poignets, on plie les genoux et on ramène ses pieds en dehors des mains. Au top. On pose la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on inspire, on ouvre. Allez, on respire. Si on est à l'aise ici, on peut ramener son épaule au genou, essayer d'aller mettre le dos de sa main contre sa fesse. Et si on est bien ici, on va essayer d'attraper derrière notre main gauche. On garde le plafond et on respire. Parfait, on relâche. Même chose main droite, on met la main droite au sol, on inspire, on ouvre, on regarde son majeur. Si on est à l'aise, on avance l'épaule le plus possible du genou. On fait une boucle avec sa main, on met le dos de la main contre la fesse. Et si on est bien ici, on essaye d'attraper sa main droite. On regarde le plafond, on respire tranquillement. Parfait.
On reste dans cette posture. On va expirer, serrer le périnée, pousser sur les jambes et monter pour se mettre debout. On inspire et on expire, on pousse. On inspire, on descend tranquillement, dos droit. On essaye de revenir en Malasana et on expire, on pousse. On inspire, on serre Mula Bandha, on serre le périnée, on expire, on monte. On inspire, on expire, on monte. Et on relâche tranquillement. On inspire dos droit. On expire, on relâche. On inspire dos droit. On expire, on relâche. On essaye de vraiment sentir l'étirement qui part du bassin et pas du haut du dos. On inspire dos droit. On regarde en bas et en avant. Et on expire, on relâche. On inspire, on remonte complètement. Et on expire, on relâche. Au top! On relâche un petit peu les jambes. On relâche les bras. On va passer sur un squat sur une jambe, mais en travaillant une ouverture de hanche qui peut être super utile pour ceux qui essayent de travailler le lotus. Donc on va prendre la jambe droite et on va essayer de la croiser au-dessus de la jambe gauche pour avoir le pied le plus haut possible. Si vous avez le pied là, c'est pas grave au début, mais vous essayez de le monter le plus haut possible. Pour tenir, vous pressez fort la cheville dans la cuisse et on essaye sans appui avec la main, mais de manière active, de descendre le genou le plus bas possible. On inspire, on lève les bras. On tient, on respire. On fixe un point, on essaye de presser fort son gros orteil dans le sol pour trouver l'équilibre. On va tendre les bras devant soi. Et on va essayer de plier tout en restant le plus droit possible avec le dos. On inspire et on expire. On descend. Allez, on est parti pour 5. Inspire, 5, on reste ici, on inspire et on essaie d'aller toucher le sol. On peut plier le genou, il n'y a aucun problème. On inspire dos droit, on expire, on relâche. Si vous avez une brique ou un atlas, vous pouvez poser vos mains dessus si vous n'arrivez pas à toucher le sol. On essaye de tenir, on inspire, on expire. On relâche. Très bien. On relâche tranquillement la jambe. On essaie de ne pas la poser par terre. Et on va essayer de kicker vers le haut. On garde les mains au sol. La jambe qui est par terre peut être tendue. Et on essaye d'aller attraper sa cheville. On lève la jambe droite le plus haut possible. Ça travaille dans la fesse gauche. On pose la main gauche au sol et on essaye d'aller ouvrir sa main droite vers le haut. On essaye d'aligner main gauche et main droite. Allez, on tient. On lève la jambe droite et on relâche loin derrière. On pose le genou et on relâche. Wouh, ça travaille bien dans la fesse. Parfait. On reste dans cette posture. Donc, le pied ici est orienté vers la fin du tapis. L'autre, le pied est dans le sol de cette manière avec les doigts de pied. On essaye d'aligner cuisses et tronc. On va mettre nos mains en namasté. On va inspirer. Expirer. On monte. On expire. On descend doucement. On inspire, on monte. Dynamique. On inspire doucement.
On expire, on monte dynamique. On inspire, on descend doucement. On expire, on monte. On inspire, on descend doucement, encore une fois. On expire, on monte. Et là, on essaye de tenir la posture en avançant le plus possible le bassin vers l'avant pour étirer les fléchisseurs de hanche. Allez, on tient. On va mettre les mains loin derrière. On tient encore. Jusqu'à 5. 3. 4. 5. On pose les mains au sol, on ramène la jambe gauche en chien tête en bas. On inspire, on regarde entre ses poignets, on passe sur la pointe des pieds. On plie les genoux, on saute à l'extérieur de ses mains, Malasana. Ouh ! Ok, on va mettre les mains au sol, on va essayer de lever les fesses le plus haut possible. On essaye de réorienter les pieds pour qu'ils regardent vers l'avant. On inspire dos droit. On expire, on relâche. On inspire dos droit. On expire, on relâche. On inspire, on remonte complètement. On expire, on relâche. Au top, même chose, l'autre jambe. Donc cette fois, on met le poids sur la jambe droite. On plante très fort le gros orteil dans le sol. On va ramener sa jambe droite avec le talon le plus haut possible sur la cuisse. Si on n'arrive que comme ça, c'est pas grave. Hein. Si on n'arrive que ici, c'est pas grave non plus. Pour l'instant, on essaye. Vous verrez qu'à force de le faire, ça va vraiment aller beaucoup mieux. On essaye de presser le talon dans la cuisse et de descendre le genou le plus vers l'arrière. Et on tient. On inspire, on monte, on fixe un point. On descend les bras tranquillement. On expire. On inspire, on descend squat. On expire, on monte. On inspire, on descend dos droit. On expire, on descend. Allez, on tient. On inspire. On expire, on monte. 3. On inspire. 4. Allez, le dernier, on inspire. Et on expire, on descend. On monte, pardon. On inspire. Et on expire, on essaye d'aller toucher le sol. Si la jambe est pliée, c'est pas grave. Sinon, on essaye de tendre la jambe. On inspire dos droit, si on a besoin du bloc, on prend le bloc ou le livre. On expire, on descend, on rentre la tête. On inspire, on expire, on descend. On garde les mains au sol, on défait doucement la jambe sans poser le pied. On monte le pied le plus haut possible. On inspire et on expire, on essaye d'attraper sa cheville. J'arrive mieux sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Mais voilà. C'est normal. Si on a besoin de mettre les deux mains au sol, on met les deux mains au sol. Si on le sent avec une main à la cheville, on met une main à la cheville. Si on arrive les deux, on met les deux. Ok. On met la main droite un tout petit peu en avant du pied gauche. Et on va inspirer. Lever la jambe gauche, lever le bras gauche. On essaye d'aligner les deux bras. On fixe un point au sol. Si on est à l'aise avec ce point, on essaye de fixer le bras gauche. Allez, on tient. Et on relâche tout doucement la jambe gauche loin derrière. Parfait. Et on inspire, on monte. Wouhou ! Super ! Allez, on descend doucement. Le genou au sol. On relâche un peu cette fesse droite qui a bien bossé là. On plante le doigt de pied arrière dans le sol. On essaye de bien aligner cuisse gauche et le tronc. On inspire
Et on expire. Dynamique, on monte. On essaie toujours de garder la jambe de devant fléchie, la jambe de derrière tendue. On expire, on descend doucement. On expire, on monte. On expire, on descend. En fait, on ne monte pas vraiment. On décolle surtout la jambe arrière. On expire. On expire doucement. On expire. On expire, on descend. On inspire, on descend. On expire, on monte. On expire, on descend. Dernière fois. Et on relâche. Super. On va monter complètement. Et on va passer. Donc on va tourner les pieds vers la gauche. Voilà, de cette manière-là. Je me tourne juste vers vous. Hop, on tourne les pieds vers la gauche. On va inspirer. Expirer, descendre dos droit. On peut rentrer un petit peu les gros orteils vers l'intérieur. On inspire dos droit. On expire, on relâche. On va inspirer, attraper la jambe, la cheville gauche avec la main droite, lever le bras gauche. Expirer, on revient au milieu. On inspire le contraire. Main gauche, cheville droite, on inspire. On expire, on relâche. On inspire, on change. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. Et on relâche complètement. On inspire, dos droit. On expire, on met les mains sur les hanches. Et on inspire, on se redresse complètement. Wouh ! On va tourner ses doigts de pied complètement vers l'extérieur. Donc voilà, on va plier les jambes pour avoir les jambes à 90 degrés. Donc tibia, cuisse, on essaye d'avoir 90 degrés. Et on va essayer de pousser les fesses vers l'avant pour avoir les fesses entre ses genoux. Les genoux, on les pousse fort vers l'extérieur. On va tenir dans cette position pour 5. 4. 3, 2, 1, et on va monter 10 fois sur les pointes de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche, on descend, on étire le dos. Super ça. Ouh. On va descendre tranquillement sur les fesses, donc on peut rapprocher un peu les pieds, on descend en malasana et on va s'asseoir. Bien. Ok, on relâche tranquillement le dos, on met les mains sur les genoux. Ceux qui ont besoin de boire, vous pouvez boire, il n'y a pas de souci, vous faites pause. Et puis on va enchaîner tout de suite. Donc on essaye de faire le dos droit. On pousse le nombril vers l'avant, on transfère le poids vers l'arrière, on essaye de décoller les talons du sol. Parfait. Une fois qu'on a cet équilibre, on essaye d'aligner les tibias avec le sol. On essaye d'avoir les tibias parallèles au sol, pardon, tout en gardant bien le dos droit. Si on arrive, on essaye de décoller ses mains. Si on n'arrive pas, on laisse les mains sur les genoux tout en poussant la poitrine vers l'avant. Les mains sont vers le plafond et on tient. On est parti pour 5, 4, 3, 2, 1. On s'allonge mais sans poser les jambes ni le dos. On tient 1, 2, 3, 4, 5 et on remonte. Parfait. On va le refaire une fois.
On met le dos légèrement vers l'arrière. On attrape ses genoux. On pousse la poitrine vers l'avant. On décolle les pieds. On essaye d'aligner les tibias avec le sol. Donc les tibias parallèles au sol. Si on n'arrive pas, on reste ici, il n'y a pas de souci. On tient. 1, 2. Allez, on respire. 3, 4, 5. On descend. On garde les mains parallèles au sol. On essaye de ne pas toucher le sol. On respire. Et on descend complètement. Très bien. Ok. On va attraper sa jambe droite tranquillement. On étire la jambe droite. On a le pied bien flex. On rentre le menton. L'autre genou, on tend bien la jambe droite, on tire la jambe gauche vers la poitrine. On ramène les deux genoux au sol. Et donc là, on va passer en position de la chandelle. Donc pour la chandelle, on va essayer de jeter ses jambes vers le plafond et les mains vont être en support derrière le dos. Par contre, les mains, il ne faut pas qu'elles soient proches des fesses, il faut qu'elles soient le plus proches possible des omoplates. Ok ? Donc on inspire, on monte et on essaye de descendre les mains le plus bas possible. On pousse les fesses vers l'avant. Les coudes sont serrés. Et on essaye de respirer. On relâche vertèbre par vertèbre. On plie les genoux. On garde les genoux à la poitrine. On accompagne avec ses mains. Et on relâche les genoux, on tire les genoux à la poitrine, on balance de droite à gauche. C'est bien ça. Cette posture, elle est bien parce que notre cage thoracique est vraiment comprimée, donc on a moins de volume respiratoire, mais il faut vraiment quand même réussir à respirer. Donc je dis toujours, dans cette posture, c'est vraiment trouver le confort dans l'inconfort. Donc c'est vraiment une super posture. Elle peut être un peu douloureuse au début au niveau cervical, parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir cet appui, mais à force de le travailler, ça va aussi. Allez, on bouge de droite à gauche. On relâche les jambes. Et on va tout doucement passer sur le ventre. Mettre les mains au niveau de la poitrine. On essaye de reculer les épaules vers l'arrière. On serre les pieds, on met bien le dos des pieds à plat. Et on inspire, on se redresse. On rentre bien le menton. La tête n'est pas en arrière. On expire, on relâche. On inspire, on monte. On rentre le menton, on écarte les épaules des oreilles. On expire, on relâche. On inspire, on monte. On expire, on relâche. On inspire, on monte. On reste en haut pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose sur les bras, position de l'enfant allongé. Au top. Ok, nickel. On va croiser les mains et on va travailler Salamba Shirshasana. Donc Salamba Shirshasana, c'est l'équilibre sur la tête. Donc en l'occurrence, c'est aussi sur les avant-bras.
Pour ceci, il y a plusieurs steps à respecter. Je vais vous les expliquer un par un et puis ensuite vous pourrez essayer tranquillement chez vous. Si vous avez besoin d'un mur, essayez avec un mur, il n'y a aucun problème. Mais vraiment essayez de bien respecter les différentes étapes pour y arriver. Si jamais vous voulez le faire de façon freestyle, vous aurez beaucoup plus de difficultés à y arriver et en plus vous risquez de tomber de l'autre côté. Donc franchement c'est pas top, surtout que si on tombe une fois après on n'ose plus trop le faire. Donc voilà, on part de cette position, on va attraper ses bras au niveau des triceps, comme ça. Donc ça c'est pour mesurer l'espace qu'il faudra entre les coudes. Donc je pose ça, et donc là j'ai la bonne distance entre mes deux coudes. Là je peux relâcher les mains, mes coudes ne bougeront plus. Ensuite je vais croiser mes doigts, je vais les entrelacer et les poser comme ça de façon verticale. C'est le derrière de ma tête qui va reposer dans mes mains. C'est le sommet de ma tête qui va reposer sur le tapis. Donc une fois que je suis là, je ne bouge plus mes bras et je vais mettre du coup ma tête, vraiment le sommet de ma tête à plat sur le sol et avoir bien le derrière de ma tête dans mes mains. Donc théoriquement, je regarde mes orteils. Ensuite, une fois que je suis ici, je vais pousser sur les doigts de pied et je vais marcher le plus proche possible de mes coudes. Une fois que je suis ici, là, c'est le point le plus important. Je ne vais pas essayer de kicker comme ça et de lancer ma jambe. Surtout pas parce que je risque de tomber de l'autre côté. Je vais essayer de ramener mon genou à la poitrine. Donc, moi, je préfère commencer avec le genou droit. Donc, je ramène mon genou à la poitrine et j'essaie de ramener le deuxième. Voilà. Une fois que j'ai cet équilibre, il y a très peu de chances que je puisse tomber de l'autre côté. Et si j'arrive, j'essaye de lever une jambe, je serre bien le périnée, je serre bien les fesses, et la deuxième jambe. Et je respire. Une fois que je tiens plus, je panique pas, je ramène un genou à la poitrine, l'autre genou à la poitrine, et je ramène doucement. Ok ? Donc vraiment le point le plus important, je lance pas le genou pour prendre de l'élan, j'essaye d'abord de ramener mes genoux à la poitrine en boule. Donc n'hésitez pas à le faire contre un mur, soyez pas collé au mur, sinon vous n'arriverez pas à rapprocher votre genou de la poitrine. Essayez de laisser 10 cm. Ou alors faites attention qu'il y ait bien quelqu'un avec vous pour vous tenir au cas où. Donc bien collé à vous. J'ai personne pour montrer, mais je ferai une vidéo explicative exprès pour ça. Une fois que vous avez réussi ou tenter Salambasana, vous pouvez vous allonger tranquillement sur le dos, on se relâche, on tend les jambes, on relâche les poignets, on relâche les mains, on relâche la tête. Et on essaye de penser à tout ce qu'on a bien réussi pendant cet entraînement qui était difficile, on essaye de se souvenir de toutes les choses qu'on a découvertes, toutes les choses qu'on a fait qu'on ne pensait pas être capable de faire. Et on oublie toutes les frustrations, toutes les choses qu'on n'a pas réussi. C'est pas important, c'est des choses justement qu'on va pouvoir travailler, où on va pouvoir progresser. Donc c'est aussi bien d'avoir des postures ou des enchaînements qui nous challengent. Il faut le prendre du côté positif. On respire tranquillement, on relâche les pieds. On relâche les genoux. On relâche les fesses. On va tranquillement essayer de visualiser tous ces orteils. Un à un, on essaye de faire le contour. On essaye d'imaginer
le contact des mollets avec le sol. On essaye de dessiner dans notre tête la forme que ça fait sur le sol, l'empreinte que ça laisse. Même chose avec les fesses et le sacrum. Et on va se concentrer tout doucement sur notre ventre. On va essayer de sentir le ventre qui se gonfle à chaque inspi et qui se relâche à chaque expi. Donc ça, c'est la respiration physiologique. Se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. On essaye de sentir les mouvements des viscères. Peut-être qu'on a le ventre qui gargouille. On essaye de se focaliser là-dessus. Essayer de se concentrer vraiment sur son ventre, sur ce qui se passe à l'intérieur. Et à chaque expiration, on va essayer de co-contracter notre périnée et de le relâcher à l'inspiration. On expire, on contracte le périnée et on expire, on relâche. On va monter tout doucement le long de la colonne vertébrale, essayer de sentir vertèbre par vertèbre s'il y a contact ou pas. Donc normalement, il n'y a pas beaucoup de contact avec les lombaires. Et on va remonter vers les vertèbres thoraciques. C'est de là où part chaque côte et à chaque inspiration, on va essayer de sentir les côtes qui s'élargissent, qui s'écartent et qui se relâchent à l'expiration. On inspire, les côtes s'écartent. On expire, on se relâche. On imagine l'air qui rentre dans les bronches, puis dans les bronchioles, jusqu'aux alvéoles, où l'oxygène pur va alimenter le sang. On essaye d'envoyer de la bonne énergie au plus profond de ses poumons. Expire, on relâche. Tout doucement, on va essayer de se concentrer au niveau de sa poitrine, au niveau du cœur. On va essayer d'inspirer, expirer. Et on va essayer de sentir les battements du cœur. Une fois qu'on sent les battements, on va essayer d'imaginer le sang qui est propulsé jusqu'aux extrémités, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. À chaque contraction du cœur. Et on va doucement remonter vers les épaules. Relâchez les épaules, relâchez les coudes et visualisez la position de ses doigts, un à un, quel doigt est plié, quel doigt est tendu. Et tout doucement remontez vers la gorge. On relâche la nuque et on essaye de sentir le poids de la tête dans le sol. On essaye de faire sa tête le plus lourd possible. On relâche le visage. On essaye de mettre un sourire sur son visage. On essaye de sentir le contact des deux lèvres
on essaye de se dessiner la ligne de contact que nos lèvres forment. Et pareil avec les yeux, on relâche les paupières. On va essayer d'imaginer la ligne de contact de nos deux paupières qui se touchent. Et sans ouvrir les yeux, on va plier nos genoux et se tourner sur le côté pour passer en position de fœtus. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, on va tranquillement passer en tailleur. On garde les yeux fermés. On frotte nos mains ensemble. On fait de la chaleur et on va passer nos mains sur nos joues, sur les oreilles, sur le cou. On croise au niveau des épaules. On pose nos mains sur les genoux. Donc on est bien centré sur nous-mêmes après cette séance. On s'est fait du bien. On s'est challengé. On a de nouvelles énergies pour attaquer la journée. On va essayer de garder ça le plus longtemps en nous. Peut-être qu'il y aura des courbatures les prochains jours, c'est pas grave. Et on va joindre doucement nos mains au namasté. On va d'abord essayer d'écouter les sons qui nous entourent pour nous reconnecter à la réalité. Et doucement ouvrir les yeux. Ok, merci beaucoup pour cette séance, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être là et de me regarder. Il n'y a pas tout qui est parfait, je fais aussi des erreurs, mais j'apprends aussi de ces erreurs. Donc voilà, j'espère que les séances vont être de mieux en mieux au fur et à mesure. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Namasté !